Hey, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo achat. On est à côté de la Saône, le long des rives de la Saône, à 1 heure de Dijon. Et donc voilà, je suis venu régler une histoire là qui dure depuis 6 mois, si ce n'est pas 8 mois. Une personne qui m'avait appelé pour me dire qu'il y avait une mobylette dans sa belle famille. Voilà, qui n'en faisait rien, savoir si elle m'intéressait. J'avais dit oui, c'est une moto bécane, j'avais dit pas de soucis. Et du coup voilà, aujourd'hui c'est le grand jour, 8 mois plus tard, ça y est, je suis sur le secteur on va dire de Dijon. Donc voilà, j'ai rendez-vous avec cette personne pour aller voir cette machine hein, que j'ai vue en photo. Donc je vous en dis pas plus, vous la verrez. Et puis si tout se passe bien, l'acheter et rentrer avec. Et du coup c'est quoi, une mob de famille, c'est ça? Ouais, c'est la mob de son arrière-grand-père. Arrière-grand-père? Ouais. Ah ouais, donc c'est ouf. C'est ouf. Ah, elle est pas grippée en plus. Vous avez pas essayé de la redémarrer? Non, tu fais pas mécanique de roue toi? Non, j'ai remis un coup d'essence dedans, voilà, mais le réservoir il est tout plein de... Ah ouais, ouais. Tu vois? Il est puerc. J'ai essayé de démarrer, mais j'en sais rien, j'ai même pas regardé s'il y avait de l'allumage ou quoi. Ouais, non, mais là t'as trop de roue, il a là démarré, tu risques de boucher en peu de temps, il y a un sacré dépôt. Puis après, il y a plein de trucs, là, tu vois, je sais pas encore ce que c'est. Ça, c'est une centrale qui... J'y connais rien du tout. En fait, à la base, il n'y a pas les clignotants. Ouais. Et ça c'est une option qui avait été remise, et ça c'est la centrale clignotante pour mettre en route les clignotants. Ça sert juste à ça, à droite ou à gauche. Et sinon c'est tout. Là-dedans, ouais, c'est plein de petites batteries, plein, comme des petites piles là. Des petits commodos, ouais, ouais. C'est possible, ouais. Et puis Et ouais, ce qu'il y avait rien à l'époque. À l'époque, il y avait juste l'allumage qui faisait pour allumer et avoir tes feux, ouais. Et pas le reste. Oh, c'est marrant. Et ça c'est un modèle, je dirais, 70-71, mais je sais pas si on va arriver à voir. Moi j'y vois rien avec mes... C'est écrit normalement quelque part par là-dessus. Si on voit une marque quelque part, mais on voit rien. Peut-être sur la bande, on a plus de chance. Ça correspondrait les années 70 pour l'arrière-grand-père. Ah, c'est où que c'est marqué Rigida quelque chose. Tant pis, on ne saura pas aujourd'hui. Je suis mis louche ou quoi? Elle vient d'où du coup? Elle était pas d'ici? Tu l'as ramenée non, c'est ça? Bah ouais, bah elle vient d'à côté de Dijon justement. À côté de Dijon? D'accord. Ah c'est là. J'ai la marque, ça y est. Oh non, faut que je trouve le losange. Comme par hasard, je le trouve pas. Maman, c'est écrit dessus. Bon, on l'a pas de bol. Mais je pense, ouais, c'est un 70-71, pas plus vieux. Par rapport à la forme, tu vois. Les modèles d'après, ils avaient une boîte à outils ici. Un cache. Ouais. Et là, il n'y avait pas de boîte à outils encore à l'époque. Ah, mais excellent. Excellent. T'as trouvé ça aussi, du coup? Ouais, et ça, il y a des trucs là-dedans. Je sais pas si c'est fait pour ça ou pour ça. Ça, c'est pour la touche de peinture. Ça, c'est un joint de carter. Tu vois, ça vient là. Bah, c'est celui-là, voilà. C'est ce qui vient empêcher de rayer. Là, il y a des... Ouais, des petites billes, des trucs, je sais pas si c'est pour... Ça, c'est en cas de panne, c'est pour gratter. Et les billes... Ça, les petites, ouais. Billes de roulement de la machine. Les grosses comme ça, je vois pas trop à quoi ça peut servir. Je sais pas, c'était à côté. J'ai dit, tiens... Ouais, ça se trouve, ça allait avec. Peut-être que... Mais ça me parle pas. Je sais pas du tout. Non, mais excellent. Il y a un câble, là, je pense, je sais pas, c'est un câble... Je sais rien, Câble de compteur. Elle a pas le compteur, mais c'est un câble de compteur, ouais. Je pense que c'est à côté. Parce qu'elle a jamais eu le compteur, elle a un cache, tu vois. Peut-être qu'il voulait le mettre, ou alors il l'a eu, il l'a enlevé. Je sais pas. Pas du tout. Ah, elle est sympa, elle est belle. Au fond du garage. Ah, tip top. Ouais, c'est bon. Le délire. C'est quoi, c'est bon, c'est fait maison? T'as acheté comme ça? Et ça c'est quoi ça? Quand tu freines? Ça te met les trois quand tu freines? Oh le délire! Excellent. Oh, l'engin de dingue. Rien à voir avec la brelle là.
T'as un réservoir de combien? Ouais. T'as un réservoir de combien là-dessus? Réservoir d'essence? 5 litres. 5 litres? Tourne combien de temps? Une heure, même pas? On fait à peu près 7-8 km. Donc j'ai envie d'aller 30 heures. Ah ouais, d'accord. Ah bah je vais bien voir ça comme ça. Moteur de 2 chevaux. Ça sent bon. Ah c'est énorme. Énorme, énorme. Je filme pas mes fesses, après les filles elles m'écrivent. Il est en train de filmer là. Non, bah, tant pis. Allez voilà les amis, pas beaucoup d'images. Hein, vous avez pu le voir, la brelle quand je la découvre comme vous. Après le kart cross à côté, en fait je vous avoue que le kart cross m'a pas mal omnibulé. On en a beaucoup parlé, vous avez vu, il a démarré, vous avez pu entendre le son. J'ai filmé que ça à ce moment-là, j'ai pas vraiment eu le réflexe avant. Mais donc voilà, une nouvelle machine qui rejoint la collection. Hein. Une belle moto bécane type 50 avec les options tablier et clignotant. Donc voilà, hâte de pouvoir travailler dessus. Et en tout cas, merci à Corentin et sa femme pour l'accueil. Super, super sympa. Et voilà, j'espère que je leur aurai l'occasion de leur croiser parce que franchement, ils sont géniaux. Allez, voilà les amis, on va en rester là pour ce nouvel achat. Je voulais pas préciser dans la vidéo, achat mobilette que j'ai payé 150 €. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à partager et liker la vidéo. On se retrouve donc en attendant sur ma chaîne 100% Mobilette Toontimer pour d'autres vidéos, tutos et présentations, ainsi que la suite de cette aventure. Et en attendant les amis, ciao ciao.